En espérant ne pas vous déranger, monsieur. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Répondez! En juin de cette année, notre vaillante armée a été défaite à Dettingen par les Autrichiens, grâce au renfort des Anglais qui les avaient rejoints à marche forcée, suite aux renseignements à eux communiqués par un de leurs espions. Renseignements que le dit espion avait obtenus grâce à la complicité de l'accusée ici présente, Jolande de Valcourt, fille morganatique de feu le marquis Charles de Valcourt. Et ce foulard de soie en pur soie, hein, tu veux. Je veux bien, moi, le bleu. Ah, c'est beau. Oh, le baron est fou. Je te le laisse, qu'il oublie un peu mes costumes de scène. Viens par là, toi! On n'a rien fait à dame, je vous jure! Ouais, c'est ce qu'on va voir. Viens avec moi. Donc l'assassin est entré par ici, et il a tué une ouvrière, Marie Lafont. Gilardi, je suis pas venu visiter un atelier. 5 femmes assassinées en un mois, aucune piste sérieuse. Parisienne qui reste cloîtrée chez elle. Je vois déjà le petit journal de demain, la police toujours impuissante face à l'étrangleur. Mon équipe travaille jour et nuit, nous faisons tout notre possible, monsieur. Eh bien, permettez-moi d'en douter. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Sauf erreur de ma part, l'assassin compte toujours, non? Non, sortez-les de là tout de suite. Pépépép, c'est moi qui donne les ordres ici. Je veux que personne ne s'approche du cadavre. C'est pas possible. Je sais pas qui vous a laissé sortir de votre placard. Personne. Ben maintenant que vous êtes là, continuez. Moi, je veux travailler différemment. Les meurtriers laissent toujours des traces, des indices sur les lieux du crime. Vous saviez ça, hein? Alors laissez-moi appliquer mes méthodes et je trouverai l'assassin.